Ça y est, je crois que j'ai localisé Henry et Ray dans le passé. Écoute, Drex, on voudrait passer un marché avec toi. Ah oui, vraiment? Oui. Tu nous laisses partir et tu promets de ne plus jamais nous causer de problème. Et? Et... Eh bien... Oui ou non, ça te va? J'ai une contre-proposition. Je vous explose tous les deux et vous fais disparaître hors du temps. Non. Non, Drex, tu peux pas faire ça. S'il te plaît, attends. Sérieux? Charlotte, envoie 20 000 votes de plus, vite! Tu peux pas faire ça. Oh, on a du fric. On a, il a raison, on a 2 dollars. On peut, on les partager vélo, avec toi. Ah non, Drex, ah, non, Drex, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. On touche pas à mon bras, ça fait mal. Quoi, qu'est-ce que t'as au bras? Vous avez trouvé Drex? Vous m'avez rapporté des souvenirs? Oh, Schwoz, mon petit employé étranger préféré. J'ai eu peur de plus jamais revoir ta petite tête chauve et débile. C'est vrai? Vas-y, fais-moi un câlin. Pourquoi vous avez eu peur de ne pas nous revoir? Parce que quand on est retourné dans le passé, Drex a empêché le moi de 8 ans de se faire densifier. C'est pas vrai. Oh, c'est terrible. Oui, mais comment est-ce possible que... tout ça existe encore? C'est vrai, le futur aurait dû être modifié vu que Drex a gagné. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ok. Je vais essayer de vous expliquer ça aussi simplement que je l'expliquerai à un enfant simple d'esprit. Merci. Oh, c'est aimable à toi. Ah, comment dire? Un portail temporel, c'est comme une porte qui donne sur un couloir qui mène au passé ou au futur. Okay. Ouais. Vous êtes allé dans le passé et vous l'avez modifié. Mais le chemin vers ce passé reste ouvert tant que l'on n'a pas éteint la machine temporelle, vous comprenez? En exclusivité sur Canal et Numéricable,